Tout d'abord, il faut savoir que quand on dessine une exposition, on a un cahier des charges. Et que Éric Lapie, qui était le commissaire d'expo jusqu'au mois de janvier, qui nous a quittés, vous le savez sans doute, avait émis quand même quelques vœux. C'est sous forme de vœux très brefs. Mais l'idée, c'était de parler du 19e siècle comme le siècle des grandes, des grandes expositions universelles, le siècle où les progrès scientifiques avancent à très très grands pas et où la science est une fête, enfin est en tout cas célébrée régulièrement comme sous forme de grandes fêtes et sous forme de grandes expositions universelles ou autres. Et donc l'idée c'était quand même de rendre ce côté festif, théâtral, à travers le personnage de Pasteur. Pour plusieurs raisons, c'est que le sujet... Ça, c'était la demande initiale et très vite, moi, j'ai rebondi là-dessus en me disant effectivement, un sujet scientifique, il n'est jamais très facile à faire passer auprès du grand public. Donc, on va accentuer cette demande, on va surfer là-dessus pour proposer quelque chose qui est effectivement de l'ordre du festif, limite fête foraine, parce que là, le public va d'emblée voir une piste qui est de l'ordre du plaisir, qui est de l'ordre de la fête, etc. Et on va pouvoir le faire rentrer beaucoup plus facilement dans un sujet dans des sujets scientifiques qui sont parfois un petit peu ardus, quoi. C'est la meilleure porte d'entrée, c'est la fête et le plaisir, c'est quand même toujours la meilleure porte d'entrée pour inviter les gens.